Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end s'est bien passé, j'espère que vous vous êtes bien reposés. Donc comme d'habitude, c'est pas vraiment une habitude, mais on va se faire une petite session de sport. Donc vous m'aviez demandé en fin de semaine dernière une séance plutôt axée bras, donc je vous ai servi ça sur un plateau. Donc la séance, comme d'habitude, je vais vous montrer les exercices avant d'attaquer avec des variantes et des petites explications pour chacun, pour chaque niveau. Donc là, aujourd'hui, c'est une séance, il y a 7 exercices. Et on va faire 4 tours. Donc on va cibler particulièrement les bras. Donc les bras, je baisse. Donc vous avez deux gros muscles là, au niveau des bras, donc au niveau de la partie en tout cas superficielle, le biceps qui permet de faire une flexion, et vous allez avoir derrière le triceps. On devrait en avoir pour, sans les temps de pause, enfin avec les temps de pause plutôt, on devrait en avoir pour autour de entre 20-25 minutes pour tout faire. Et on finira donc par quelques petits étirements pour venir justement soulager un petit peu le triceps, le biceps, etc., etc. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer les exercices, on fait un petit échauffement et on part. Donc là, pas de timer, il n'y aura pas de bip bip, là ce sera des répétitions. Et je vous ai prévu des répétitions en pyramide, c'est-à-dire qu'on va faire premier exercice 5 répétitions, deuxième exercice 10, 15, 20, 15, 10, 5. Sauf pour les débutants où j'ai aménagé un petit peu les répétitions, mais à partir d'intermédiaire, ce sera comme ceci. Je regarde juste le chat pour voir un petit peu. Ok, salut. Salut tout le monde, salut Thérèse, salut Christine, salut Rosie, salut Jean-Christophe, salut Karine, salut Myriam, salut Nicolas, salut Alain, salut Nicolas, salut Emma et salut Beto. Ok, bien, alors on va attaquer directement par les exercices, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. On va y arriver. Voilà. Ah, j'ai oublié de pousser les tables ce soir. Je vais les pousser, comme ça m'évitera de casser les choses. Alors, tac. Voilà, on est bon, super. Donc, je vous ai dit 7 exercices. Donc, plus c'est difficile, moins il y a de répétition. Ok, c'est un peu le principe. Niveau matériel, il vous faudra une paire d'haltères, des bouteilles, ce que vous voulez, de manière à ce que pour les exercices, pour les biceps ou pour les épaules et les triceps, on puisse avoir un peu de poids pour ne pas le faire à vide. Donc, premier exercice, ça va être votre exercice préféré, des burpees. Donc, pour les débutants, je vous montre, vous penchez en avant, vous posez les mains au sol et vous allez marcher sur les mains et revenir. Comme ça. Ok, ça c'est la version débutant. 5 répétitions. Pour la version intermédiaire, on va faire un demi-burpee, donc sans la pompe. On descend, on pousse les pieds en arrière et on revient. Comme ça. Hop. Voilà. Pour les avancées, burpee classique, on vient, on pompe, on revient et on saute. Premier exercice, c'est ça, les burpees. Deuxième exercice, ça va être un exercice pour les biceps, ça va être des curls pour les biceps. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir des haltères ou des bouteilles. Hop, je vais me décaler un peu. Donc pour les curls, donc on ouvre les bras pour avoir les paumes de main face à soi. Okay. On garde les bras collés au corps et simplement on plie le coude. On va faire 10 répétitions. Ok. Donc ça va être pareil pour tout le monde. La seule chose qui va changer chez les intermédiaires et les avancés, ça va être le poids que vous allez mettre. Mettez un peu plus lourd. Il faut que quand vous arriviez à 10 répétitions, ça commence à devenir dur. Okay? Donc, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Un curl, c'est pas ça. Okay? On ne bouge pas le coude. On ne fait pas comme dans les films américains où vous voyez... Non, on n'est pas dans un film américain. On garde les bras au corps et juste, on plie le coude et on relâche. Ça, c'est le deuxième exercice. 10 répétitions. Troisième exercice, 15 répétitions, alors 10 pour les débutants, et je vais vous montrer pour les débutants comment l'aménager. On va prendre un coussin, hop.
Donc pour les débutants, on va se mettre sur les genoux et ça va être des commandos. Donc les commandos, c'est simple, on se met en position gainage et on se redresse, on redescend, on se redresse, on descend. Tac. Donc ça pour les débutants, et vous en faites 10, donc 5 de chaque côté. Pour les intermédiaires, même chose, 10, mais vous allez être sur les pieds, donc ça va être plus dur. Et puis pour les avancées, vous allez en faire 16 pour en avoir 8 de chaque côté. Donc vous allez voir, ça va faire travailler un petit peu les abdos. Ensuite, on va avoir, qu'est-ce que je vous ai mis? Des climbers, voilà, des climbers. Donc climbers, vous connaissez. Donc j'en ai mis 20 pour les débutants, donc 10 de chaque côté. Et après, intermédiaire avancé, ce sera 40, donc 20 de chaque côté. Donc une répétition de climber, c'est ça. 1, 2, ok? Donc pour ceux qui en font 40 ou qui veulent compter plus vite, vous faites une fois de chaque côté, ça fait une répétition. Ok? Donc quand vous avez fait 20 répétitions, vous en avez fait 40 et ça fait 20 de chaque côté. Cinquième exercice, développé militaire. Donc je vous rappelle, on prend nos haltères, on ne met pas les mains sur les côtés comme ça, on met les mains devant. Ok? On met les mains devant et ce qu'on fait, hop, je me décale un peu. On va pousser au-dessus de la tête et on relâche. On cambre pas le dos, ok, on fait pas ça. Ça, c'est pas bon. On garde le dos bien droit, on gaine un peu les abdos pour garder le dos droit et on pousse. C'est un mouvement qui se fait avec les épaules et avec l'arrière des bras. Donc pour les débutants, au lieu d'en faire 15, vous en faites 10. Pour les intermédiaires et les avancés, vous en faites 15, sauf que vous allez mettre plus de poids. Bon, moi j'ai que ça, sinon j'ai des kettlebells et je suis obligé de les faire que d'un côté. Donc je les ferai avec 3 kg de chaque côté ce soir. Mais si vous avez plus, n'hésitez pas à mettre plus. Donc je garde les haltères, il ne faut pas les poser. Ensuite on fait du curl marteau. Donc marteau parce qu'on va prendre une prise marteau. Pour vous montrer, une prise, ça c'est une prise supination. Et ça c'est une prise marteau. Donc c'est comme si on voulait taper avec un marteau avec. Okay, donc la prise marteau, en gros, on est comme ça. La prise supination, celui d'avant, on était comme ça. Là, on est comme ça. Et on va faire exactement le même mouvement. Ça va faire travailler des muscles un peu différents. Le biceps va être moins engagé, mais on va plus faire travailler les muscles de l'avant-bras. Tac. Donc là, pareil, 10 répétitions, comme l'autre. Okay. Et on va finir par un exercice que vous allez détester. Mais c'est pour votre bien. C'est pour vos petits triceps. Donc les triceps, je vous rappelle, c'est les muscles de l'arrière du bras. Donc pour les débutants, je vous montre. Pour les débutants, vous allez simplement faire des demi-répétitions. Donc on pose les mains devant soi, ok? Pas trop loin devant, mais pas trop près non plus. Et juste, on plie les coudes à moitié et on relâche. Ok? Les intermédiaires, vous faites la même chose. 5 répétitions, mais vous allez descendre jusqu'en bas. Vous faites toucher les coudes au sol et les avancer. On fait ça sur les pieds, on pose les coudes au sol, on relève, coude au sol, on relève, et on fait 5 répétitions, ok? Donc, je vous rappellerai évidemment les exercices en début de chaque série. L'idée, c'est pas de se cramer, l'idée, c'est pas de faire les choses trop rapidement, l'idée, c'est de faire les exercices correctement. Si vous voulez que les exercices soient plus cardio, si vous voulez faire plus bosser le cardio et moins bosser les muscles, vous pouvez. Il faut juste prendre une variante un peu plus facile et faire les répétitions de manière un peu plus explosive. Donc si par exemple vous voulez faire les burpees, travailler les burpees de manière un peu plus musculaire, entre guillemets, il faut les faire plus lentement, mais faire une variante plus difficile, donc une variante avancée. Donc vous allez poser comme ça et vous faites une belle pompe et vous revenez. Vous voulez les faire de manière un peu plus cardio, c'est possible. Vous allez plus vite et vous choisissez une variante qui vous permet de faire monter le cardio plus facilement. Pareil pour les autres exercices. Donc on va s'échauffer un tout petit peu parce que là finalement on va faire pas mal bosser les épaules, les bras. Donc on va surtout s'attarder sur l'échauffement du... Je vais lever un peu parce que vous n'allez pas bien me voir. On va surtout s'attarder sur l'échauffement donc là du haut du corps. D'accord, on va faire un peu le dos mais pas tant. On va commencer par le bas. On va remonter pour échauffer le haut du corps. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris tous les exercices. Je vous rappelle les exercices, comment on les fait pendant qu'on les fera. Donc, il ne faut pas vous affoler. On est parti pour 5 tours après l'échauffement.
Respirez bien, prenez de l'eau avec vous, et il vous faut juste une paire de petites haltères, de bouteilles, ou quoi, peu importe ce que vous avez qui rentre dans vos mains, et qui n'est pas trop lourd. Voilà. On va attaquer l'échauffement. Hop. On enlève ça. Voilà. Donc on va attaquer par bas du dos, bassin, parce qu'on va utiliser pour stabiliser, mains sur les hanches, écartement à peu près entre bassin et épaule, et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des ronds, simplement, au début doucement. On garde bien les pieds au sol, on fléchit pas les genoux, on garde les genoux tendus. Vous devez vraiment le sentir là, quand vous partez sur le côté, on doit le sentir dans le bas du dos. Dans le bas du dos. C'est un mouvement vraiment au niveau du bas du dos, ça y est, on va changer de sens. Donc choisissez bien, est-ce que vous voulez plutôt le faire version renforcement musculaire, où là il faudra prendre une variante un peu plus difficile pour faire travailler un peu plus le muscle, ou est-ce que vous voulez garder la version un peu plus cardio, où là en fait on a une variante un peu plus facile pour pouvoir faire l'exercice, mais par contre de manière un peu plus explosive. Ok ? Donc ce qu'on va faire maintenant, ça va être des mouvements, j'espère qu'on va voir là, ça va être des mouvements de j'envoie le bassin en avant, je creuse, j'envoie les fesses en arrière, j'envoie le bassin en avant, juste pour activer un petit peu les muscles du dos en flexion-extension. Ça va permettre d'activer aussi un petit peu les abdos. Donc on fait une dizaine de mouvements, donc c'est des coups de bassin, hein. Rien de plus simple. Donc on a l'impression que j'ai les genoux qui bougent, hein, mais c'est à cause du short, les genoux ne bougent pas. J'ai les genoux qui restent tendus. Et on relâche, ok ? On va attaquer un petit peu les épaules. Donc pour attaquer les épaules, on va faire des mouvements comme ça. Voyez, on envoie l'épaule d'un côté, on envoie l'épaule de l'autre côté. Donc en fait, il faut vraiment tourner le buste. Et là, l'histoire, c'est que vous relâchez bien les épaules pour qu'elles partent en fait et qu'elles soient vraiment toutes molles. On le fait pas fort, simplement pour échauffer un petit peu là, la capsule, les muscles et l'articulation d'épaule, simplement. Ok ? Donc on fait ça, on va faire ça pendant une petite quinzaine de fois. Voilà. Maintenant on va faire les fameux petits ronds. Donc mains vers le plafond, les bras parallèles au sol, on reste bien ancré au sol, et là on commence à faire des tout petits ronds dans un sens. On tourne, on tourne, on tourne. Et petit à petit, quand je vous le dirai, on agrandit les ronds. Alors on agrandit un tout petit peu les ronds et on reste. On reste dans ces cercles-là, on n'agrandit pas plus et on continue d'agrandir. On reste ici, on n'agrandit pas plus. On continue. On reste ici et on finit par faire des grands cercles. Voilà, on réduit petit à petit, on réduit, on reste ici, on ne ratisse pas. Ça va commencer à chauffer un peu dans les épaules et les trapèzes. On réduit. On réduit. On réduit et on reste là. On reste là et on va tourner les paumes vers le sol. Comme ça. Et on fait dans l'autre sens. Petit cercle, petit cercle, petit cercle. On tient, ça chauffe, on tient. On agrandit un petit peu. Encore. Encore, on tient, on agrandit encore et on fait des grands cercles. Et là, on va diminuer les cercles petit à petit. On reste ici, on rate ici, on rate ici et on fait des tout petits cercles, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et on relâche. On va échauffer la nuque. Donc la nuque, vous vous souvenez, on va faire... Oui, tout doucement, on fait ça 3-4 fois, et on va faire non après. Non, je veux pas faire des burpees, non, je veux pas avoir mal au bras, et après on va faire des tours, tout doucement dans un sens, 3-4 tours, pareil. Donc on cherche à aller doucement, on cherche à aller loin sans se faire mal. Et on fait dans l'autre sens. Alors ça peut craquiller, d'accord, c'est pas grave, il faut juste y aller tout doucement pour éviter de se faire mal. Okay.
Et là, on va venir échauffer les coudes. Donc, vous prenez un coussin, un truc hyper léger que vous avez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire les mouvements qu'on va faire juste après. Pour donc flexion et extension de coude. On va venir faire avec le coussin simplement, on va pomper très fort avec un coussin, avec quelque chose de très léger. Et on va en faire environ une trentaine, une quarantaine, histoire de bien pomper au niveau du biceps et d'avoir un bon échauffement là, au niveau des fléchisseurs du coude. Et on fera la même chose au niveau des extenseurs, en sachant que là, l'extension, vous faites une extension active, même quand vous poussez, puisque l'idée, c'est je monte, je pousse, je monte, je pousse, je monte, je pousse. Ok ? Donc, c'est vraiment un mouvement actif qu'on fait pour venir pomper un petit peu, pour venir chauffer un petit peu le muscle, préparer au travail qu'il va avoir à faire. Ok, on va finir par échauffer un peu les omoplates. Donc les omoplates, on garde les mains au sol, on monte les épaules, on les fait rouler en arrière. On monte les épaules, on les fait rouler en arrière. Donc en gros, on monte les épaules, on rapproche les omoplates. On monte les épaules, on rapproche les omoplates. On monte les épaules, on rapproche les omoplates. On va faire dans l'autre sens. On monte les épaules, on envoie les épaules vers l'avant, on monte les épaules et on écarte les omoplates. On monte les épaules, on écarte les omoplates. Encore une fois, et on écarte. Allez, encore une fois, et on va attaquer tranquillement. Super. Je vais regarder juste si tout le monde est au clair. L'exo 4... Est-il possible d'aller chercher l'épaule opposée? Qu'entends-tu par aller chercher l'épaule opposée? Fais voir. Qu'est-ce que c'est mis en ISO 4? Oui, tu peux aller chercher l'épaule opposée. Oui, oui, pour les climbers, il n'y a pas de problème. Allez, eh ben c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, je vous l'ai dit ce soir, pas de timing, parce que le but, c'est pas de monter trop le cardio. Le but, c'est d'avoir un travail à la fois musculaire et un tout petit peu cardio quand même, parce qu'il y a quand même des exercices qui vont faire monter un peu le cœur. Donc l'idée, je vous dis les exercices au fur et à mesure qu'on les fait, et vous choisissez bien la variante qui vous convient. On est parti, 5 burpees. Okay. On respire bien. Voilà, 5 burpees c'est fait. Ensuite, vous prenez vos haltères et on va faire des curls. 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, que le coude qui bouge, hein. On ne fait pas bouger le reste du corps, on ne fait pas bouger l'épaule. Donc ensuite, 10 commandos sur les genoux pour les débutants et 10 commandos sur les 15 commandos pardon, sur les 10 commandos sur les pieds, je vais y arriver pour les intermédiaires et 15 commandos pour les avancés. Donc commandos, je vous rappelle, on part en position pompe, on se met en position gainage et on revient en position pompe. C'est une répétition. Allez, 15. Allez, 3. 4, donc je rappelle 10 sur les genoux pour les débutants, 10 sur les pieds pour les intermédiaires et 15 pour les avancés. Là, vous allez avoir les bras qui vont chauffer. Allez, encore 3. Hop! Allez, ensuite, on a des mountain climbers. Donc, climbers, 10, 20 pardon, pour les débutants, 40 pour les autres. Donc, 10, ça fait 20 de chaque côté pour les avancés et les intermédiaires, et 10 de chaque côté pour les débutants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Boum. Alors vous pouvez faire comme moi un peu cardio, comme ça vous allez enchaîner en fait un exercice cardio et un exercice de renfo, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord, vous pouvez faire un lentement. Donc autre exercice développé militaire, donc
Alter. Et là, 15 répétitions. Pardon. Je dis pas de conneries, 15 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 10 pour les débutants, je n'ai pas précisé. Allez, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ah, ça va tirer, hein? Hop! Alors ensuite, je ne faut pas poser les haltères, j'allais passer au dernier. Cœur, marteau. Donc, cœur, marteau, pas les mains, pas les paumes vers l'avant, on a les paumes vers soi. On garde bien les bras vers le corps et on monte. Ok? 10. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Donc ensuite, extension triceps. Donc 5 répétitions, des demi-répétitions sur les genoux pour les débutants, des répétitions complètes sur les genoux pour les intermédiaires et des répétitions sur les pieds pour les avancés. Ok? Donc on met les mains un peu devant, on laisse tomber. On monte, on laisse tomber, on monte, on laisse tomber, on monte, et on se fait une dernière fois, hop, et on est bon. Premier tour, on va prendre une petite minute, donc profitez-en pour boire. Moi je vais en profiter pour regarder le chat. Ah, vous êtes très bon, vous êtes très très bon. Bien, respirez, on est reparti dans pas longtemps et ça va chauffer. Généralement, les deux premiers tours, on les passe bien. C'est à partir du troisième où ça commence à bien chauffer. Allez, préparez-vous, on est parti pour 5 burpees dans quelques secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 5 burpees. Dix curls. Donc l'idée, c'est de rester quand même assez intense sur l'enchaînement des exercices. Allez, 10. Pour pouvoir quand même avoir un training qui vous fasse un petit peu monter le cardio. Pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour suer un peu. Ok? Donc 10 répétitions. 8, 9 et 10. Hop! Donc ensuite, je vous rappelle, c'est des commandos. 10 à genoux pour les débutants. 10 sur les pieds pour les intermédiaires. 15 pour les avancés. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Respirez bien. Donc ensuite, on enchaîne avec des climbers. 20 pour les débutants, donc 10 de chaque côté, 40 pour les autres. Allez. 5. 5. Allez. Donc ensuite, halter. Je vous laisse finir un petit peu si vous n'avez pas fini les séries. Et ce sera du développé militaire. Donc développé militaire, je vous rappelle. Hop. Que le switch de vue. Voilà. Développé militaire, halter sur les épaules, les coudes dirigés vers l'avant, pas sur les côtés, et on va pousser au plafond. Et 1, 15 répétitions. 2, 3, 10 pour les débutants. 15 pour les autres, il faudra moduler le poids. Allez, on respire. Et 10.
Allez, 14 et 15. On reste avec les haltères et on passe sur du curl marteau. Donc les paumes dirigées vers nos cuisses, les haltères vers l'avant. On garde les bras contre le corps et on remonte, on plie uniquement le coude. 1, 10 pour tout le monde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier exercice, les extensions de triceps. Donc pour les débutants sur les genoux, demi-répétition. Pour les intermédiaires, 5 répétitions, pardon. Pour les intermédiaires, répétition complète sur les genoux et pour les avancées, répétition sur les pieds. Donc on avance un peu les mains et on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1 minute de pause. Deuxième tour complet. Récupérer, respirer. Moi, je viens voir un petit peu ce qui se passe, s'il y a des gens qui réagissent. Bon, cool. Ça va. Allez. Respirez. On va repartir dans pas longtemps. L'idée, c'est de ne pas prendre non plus trop de pauses. Parce que même si ça peut vous paraître intense et difficile, l'idée, c'est que si vous prenez beaucoup de récupération, certes, vous allez pouvoir mieux faire les exercices par la suite, mais vous n'allez pas spécialement forcer non plus le corps à s'adapter au niveau cardiovasculaire et au niveau musculaire. Si on pousse un petit peu, des fois, c'est pas plus mal, comme ça, ça permet au corps de s'adapter, et la séance d'après, on peut la refaire des fois, elle sera un peu moins dure, on pourra aller un peu plus loin. Allez, on est parti pour des burpees, dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, 5 burpees. Allez, on lâche rien. Hop, nickel. Donc maintenant, on prend les haltères. Curl. Donc le curl, c'est flexion de coude avec les paumes qui regardent vers l'avant. On verrouille bien les épaules, on verrouille bien les bras contre le corps et on fléchit uniquement le coude. 1, 10 pour tout le monde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Donc maintenant, on passe à votre deuxième exercice préféré que vous allez adorer, les commandos. Ok, donc 10 sur les genoux pour les débutants, 10 sur les pieds pour les intermédiaires et 15 pour les avancés. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, je ralentis un peu quand même pour vous. 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop! Donc maintenant, je vous rappelle, c'est les climbers, donc 20 pour les débutants, 10 de chaque côté, 40 pour les autres, ça fait 20. On est parti. Allez, 20. Et 10, boum. Ouh. Allez, on reprend les haltères. Et là, on est parti pour 15 répétitions de développé militaire. Vous avez fait plus de la moitié. Allez, haltère au niveau des épaules, coude vers l'avant. On va pousser vers le plafond 15 fois. 10 pour les débutants, 15 pour les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On garde les haltères, on va juste pouf les descendre. On verrouille les épaules, on garde les coudes collés au corps, pardon, et on va fléchir uniquement les coudes. 10 fois pour tout le monde.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va passer à votre deuxième exercice préféré, les extensions triceps. Donc, 5 demi sur les genoux pour les débutants, 5 complètes sur les genoux pour les intermédiaires et 5 complètes sur les pieds pour les avancées. On est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1 minute, plus que 2 tours. Courage. 2 tours et vous allez sentir vos bras qui vont commencer à bien congestionner. Ça va bien taper dans les triceps. Là, pour vous donner le ratio, il y a 7 exercices. Il y en a 5 qui ciblent, on va dire, quasiment tous ou spécifiquement les triceps. Les commandos pour les triceps, les extensions triceps, forcément c'est pour les triceps. Le développé militaire, il va cibler un peu les triceps. Les burpees, ça va aussi travailler les triceps. Il n'y a que en fait les deux mouvements de curl, donc le curl ouvert, le curl normal, donc quand on a la paume vers l'avant, qui va cibler le biceps, et le curl marteau, qui va cibler une partie du biceps, et qui va surtout cibler une partie du muscle de l'avant-bras, qu'on appelle le brachio-radial, qui permet de fléchir l'avant-bras sur le bras quand on est en position neutre. Donc c'est un muscle qui est important à travailler. D'ailleurs, ceux qui font du bodybuilding, qui ont des biceps un peu courts, savent de quoi je parle, puisque c'est un des muscles qu'on essaie de d'hypertrophier pour remplir justement le vide qu'il va y avoir entre le coude et le biceps. Donc, on va repartir, quatrième tour, il nous en reste deux. Courage, ça va aller, ça va le faire. Après, on va avoir des étirements, donc étirements bien sûr très très ciblés au niveau du trapèze, de l'épaule et des pecs, et du biceps bien entendu. On va faire un peu un mélange d'automassage et d'étirement. Alors on est reparti dans 5, 4, 3, 2, 1, 5 burpees. Allez, ensuite, on va avoir 10 curls, ok ? 10 curls avec les paumes vers l'avant. Donc je me mets de profil, je verrouille les épaules, je colle les coudes au corps et je ne fléchis que les coudes 10 fois pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez! Votre troisième exercice préféré après les burpees et les extensions triceps, les commandos. 10 sur les joues pour les débutants, 10 sur les pieds pour les intermédiaires, 15 pour les avancés et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc ça, c'est un exercice, vous devez le sentir évidemment dans les bras, et ça doit brûler aussi au niveau des abdos, ok ? Quand c'est bien fait. Donc vous devez le sentir dans les abdos pour le dernier tour. Autre exercice, donc les climbers, 20 pour les débutants, 10 de chaque côté, et 40 pour les autres, donc 20 de chaque côté. On est parti. 10, 20, 30, 40, boum. On va reprendre les haltères, développé militaire, donc je rappelle, haltères au niveau des épaules, coude vers l'avant et on pousse au plafond. 15 fois. 10 pour les débutants, 15 pour les autres. La seule chose que vous devez faire varier, c'est le poids. Allez, 5, 6, 7. Alors vous voyez, je retiens bien la descente pour faire travailler un maximum l'épaule parce que j'ai des poids
assez légers, là, qui sont à 3 kg. Donc pour faire travailler un maximum le muscle de l'épaule, je vais doucement sur la descente pour retenir au maximum et avoir un maximum de travail. Hop. Donc on garde nos haltères et on va continuer par du curl marteau. Donc paume vers les cuisses, on verrouille les épaules, on verrouille les coudes contre le corps et on fléchit. 10 fois. 1, 2, 3. On contrôle bien le mouvement. 4, 5. On respire. 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'était la 11e, c'était pour la forme. Et on va finir donc par un de vos exercices favoris, les extensions triceps. Sur les genoux, 5 demi-répétitions pour les débutants. Sur les pieds, sur les genoux, 5 répétitions complètes pour les intermédiaires. Et sur les pieds pour les avancées, 5 répétitions complètes. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, et une dernière, et 5. Allez, une minute de pause, et plus qu'un circuit. Et vous aurez tout gagné, vous aurez des bras, boum, hyper saillants, hyper congestionnés surtout. Ouais, c'était le 4e tour, là. Et pour le dernier, donc là vous avez le choix, soit vous décidez de prendre une variante très facile et de vous exploser le cardio, soit vous décidez de prendre une variante un peu plus difficile et de faire travailler plus la partie musculaire, on va dire. Ça va être à vous de choisir. Le dernier triceps, je ne sais pas le faire. Alors si c'est trop dur au sol, vous pouvez le faire sur le canapé. Ça fait travailler le triceps quand même, sur les genoux, sur le canapé. C'est un exercice qui est difficile, hein, l'extension de triceps au sol. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à surélever. Quand vous voyez qu'un exercice au sol est trop compliqué, pour le rendre plus facile et lutter moins contre la gravité, il suffit simplement d'élever un petit peu le support et vous allez voir que l'exercice va devenir de suite beaucoup plus facile. Donc respirez bien, on est parti bientôt pour le dernier tour. Donc il faut impérativement que vous récupériez bien parce que c'est le dernier tour où on lâche le taureau. Le taureau pour les gros bras. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On est parti dans 5 secondes pour 5 burpees. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Allez, 1, 2, 3, et 5. Donc ensuite, on prend nos haltères. On va faire nos petits curls. Donc, paume vers l'avant, on verrouille les coudes, on verrouille les épaules et on ne fléchit que les coudes. Et 10 répétitions pour tout le monde. 2, on contrôle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Hop. Donc on se retrouve pour votre deuxième exercice favori, les commandos. Donc, sur les genoux pour les débutants, 10. Sur les pieds, 10 pour les intermédiaires et 15 pour les avancés sur les pieds. Et on est parti. 1, 2, 3, 4. Donc amortissez bien, retenez bien la descente pour ne pas vous exploser les coudes, même sur un tapis ou sur n'importe quelle autre structure, même un peu molle. C'est vite fait de se faire mal, donc il faut vraiment bien retenir la descente. 11, 12, allez, 13, 14 et 15. On reste en position, on ne bouge pas et on attaque avec les climbers. 20 pour les débutants, 10 de chaque côté, 40 pour les autres, 20 de chaque côté. 10, 20, 1, 30. 40. On va reprendre les haltères, développé militaire. Donc 10 pour les débutants, 15 pour les autres. On fait varier le poids uniquement pour rendre l'exercice plus difficile. Donc haltères au niveau des épaules, coude vers l'avant, pas sur le côté. Et on pousse vers le plafond. 2, 3.
On retire la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On garde le dos droit. 10, allez, encore 5. 11, 12, 13, 14 et 15. On garde les haltères et on enchaîne directement avec du corps marteau. On verrouille les épaules, on verrouille les coudes. On remet les paumes en direction des cuisses et on fléchit uniquement les coudes. 10 répétitions pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. On retient la descente. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, dernier exercice, votre favori. Donc je vous montre juste pour ceux qui n'arrivent pas à le faire sur le canapé. Vous mettez un petit coussin, vous mettez les mains sur le canapé et juste vous laissez tomber les coudes et vous relevez. Comme ça, ok? Pour les autres, sur les genoux au sol, 5 répétitions. Sur les pieds au sol, 5 répétitions. Et on est parti dans maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, bravo. Bravo à tous. Vous avez fait les 5 tours. Maintenant, on va pouvoir se détendre, se relâcher un petit peu. Et on va venir travailler un petit peu les triceps, les biceps et les épaules, puisque c'est ce qui a travaillé le plus pendant ce training. Donc respirez un coup, buvez un coup. Je vais regarder ce qui se passe sur le chat. Alors, le dernier triceps, les fesses sortent. Ah, c'est normal, sur le dernier, si elles sortent un peu. Quelque part, c'est pas spécialement grave si les fesses sortent un peu, hein. Mais disons que ce qui est très important, c'est de réussir à mettre le focus sur les triceps. Mais on en parlera, si vous voulez, juste après. Je viendrai avec vous pour discuter un tout petit peu de ce training. Donc, on va s'asseoir. OK. Tac. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir travailler beaucoup le triceps. Et on va venir masser, pareil, l'épaule, le biceps, le triceps, pour venir relâcher un peu toute cette zone-là, la zone autour de l'épaule. On a énormément fait travailler pendant ce training. Donc 5 tours, c'est beaucoup. Je vous ai mis 7 exercices, il y a beaucoup de répétitions. Donc au niveau volume, il faudra regarder un petit peu ce que ça donne. Mais on est sur un bon volume de travail sur une séance comme ça. Donc c'est bien intense. Après, il y a juste à moduler en fonction de la difficulté. Et vous allez voir, c'est un training que vous pourrez refaire pour les bras, particulièrement pour ceux qui veulent travailler les bras. Les bras avec peu de matériel, voire pas du tout de matériel, c'est un bon petit training à faire ça. Donc, on va direct attaquer par des étirements, simplement. Donc, pour étirer un triceps, le triceps, il est extenseur de bras, donc extenseur d'avant-bras, pardon. Donc, il va étendre l'avant-bras et il va faire aussi une légère rétropulsion d'épaule. Donc, en gros, il va amener l'épaule vers l'arrière. Okay, donc, ce qu'on va devoir faire, ça va être de faire une élévation du bras et une flexion du coude. Et avec, en fonction de sa position, il est aussi abaisseur d'épaule. Donc on va devoir élever l'épaule. Donc pour ça, on prend la main, on lève l'épaule, on va mettre la main derrière la tête, entre les omoplates, on la laisse tomber, on attrape le sommet du coude, et ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer le triceps de l'autre côté, on va tirer le coude de l'autre côté, et on va légèrement, très légèrement se pencher, comme si on voulait se pencher, vous voyez, du côté opposé, et là vous allez sentir directement dans l'avant-bras que ça va tirer. Donc on ne tire pas beaucoup, on vient de faire beaucoup de travail, donc on ne tire pas beaucoup. On tient 10 secondes et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté, on prend la position, on laisse bien tomber la main, on attrape le sommet du coude, on se relâche bien, on va tirer tout doucement sur le coude et on s'incline un tout petit peu. Et boum, on sent que ça tire dans le triceps, on tient 10 secondes et on relâche. On va refaire pareil de l'autre côté, on attrape le coude, on le tire, on s'incline un tout petit peu et on relâche. Ensuite, 10 secondes après. 10 secondes, pouf, et on relâche. On refait la même chose encore une fois de l'autre côté. Main bien entre les omoplates, en tout cas jusqu'où vous pouvez aller. On incline, on tire et on maintient. 10 secondes. Et on relâche.
pour venir commencer à étirer biceps et avant d'épaule, un exercice qui est bon à faire. Vous allez croiser les mains derrière le dos, ok, en restant en tailleur, comme ça vous tendez les bras, ok, vous tendez les bras, et ce que vous faites, c'est que vous vous penchez en avant, et en même temps que vous vous penchez en avant, vous allez chercher à monter les mains le plus haut possible, et vous allez voir, ça va tirer dans l'avant d'épaule, et ça va aussi tirer dans les biceps. Voilà, on tient 10 secondes, on ne cherche pas à se faire mal, et ensuite on relâche. On va le refaire une deuxième fois, comme pour l'autre. On va se pencher en avant tout doucement, et là tout doucement on va venir lever les bras tendus et on maintient. Et on relâche. Voilà, on va faire pareil pour l'arrière et le milieu de l'épaule, surtout pour l'arrière d'épaule. Pour l'arrière d'épaule, on tend le bras sur le côté, on l'amène de l'autre côté, on vient attraper juste au-dessus du coude au niveau du triceps, on garde le buste droit, on ne tourne pas le buste, d'accord ? Et on vient tirer le bras vers soi. Et ça va tirer au niveau de l'épaule derrière. On relâche bien le bras. Et on maintient pareil 10 secondes. On se fait pas mal. On fait juste tenir la position 10 secondes. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Donc on tend le bras à la verticale, à l'horizontale pardon, par rapport au sol. On l'amène de l'autre côté. Juste au-dessus du coude, on vient placer le poignet, le bas du poignet. Et on tire le bras vers nous. On relâche bien le bras. Et là, vous allez voir, ça va tirer sur l'arrière d'épaule. On tient 10 secondes sans se faire mal. On relâche bien, on respire bien. Et on relâche tranquillement. Ok ? On va venir aussi, on peut venir aussi étirer toute la chaîne latérale. Donc, triceps, grand dorsal, dentelé, oblique. Donc là, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste s'enlever de la position tailleur. On va mettre les pieds l'un sur l'autre. On attrape la cheville du côté. Avec la main droite, on va attraper la cheville gauche, on va dire ça comme ça, et tout doucement, on lève le bras et on va se pencher sur le côté. Et donc en fait, vous allez tomber sur le genou qui est sur le côté, donc vous allez être stabilisé, et il vous suffit simplement de rester dans cette position-là. Et si vous voulez augmenter la tension dans le triceps, on plie un peu le bras. Et là, vous avez triceps, grand dorsal, dentelé, oblique qui vont tirer. On revient tout doucement, on fait la même chose de l'autre côté, main gauche, on attrape la cheville droite, on pose le genou au sol. On lève la main, on se penche sur le côté, donc ça commence à tirer. On amène le bras vers l'oreille, on plie le bras et on relâche. Donc c'est normal si le genou droit s'élève. Et on relâche, 10 secondes, pas plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir par des automassages au niveau biceps et triceps, puisque c'est eux qui ont le plus bossé, donc c'est eux qui vont mériter d'avoir ces massages-là. Donc comme d'habitude, à la main, pas d'ustensile nécessaire. On vient presser le triceps, on relâche et on change de position. On presse et on relâche. On presse et on relâche. On fait deux allers-retours comme ça. Et ensuite, on va changer de côté. On va faire le triceps droit. Et ensuite, on fera les biceps. Vous devriez sentir que c'est assez congestionné, c'est assez gonflé un peu au niveau des bras. C'est normal. On change de côté. On a fait beaucoup, beaucoup travailler les muscles. Et on a fait pas mal de répétitions, donc ça a pu brûler à certains moments, c'est normal. Hop. Allez. Tac. On va passer au biceps, donc même principe, on attrape, on presse et on relâche. Comme une éponge qu'on voudrait vider de son eau, d'accord ? Pas plus compliqué. Vous savez, les choses les plus simples, c'est souvent les plus efficaces. Il n'y a pas de recette magique, hein. Je vous garantis, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de magie au niveau du corps, il y a juste des principes simples à appliquer. Simplement, on prend rarement le temps de bien les faire et on a suffisamment la patience de les faire suffisamment longtemps pour que ça ait de l'effet. Le corps, il a besoin de temps, il a besoin de prendre le temps, il n'a pas la même allure que nous, que notre façon de penser. Le corps, il a son propre rythme. C'est quand on arrête d'écouter son rythme qu'il y a des choses qui dégénèrent un petit peu. Donc prenez le temps, insistez sur les zones qui sont un peu douloureuses. Voilà. Moi, je vais vous retrouver directement sur le chat. Finissez les automassages, prenez le temps qu'il faut pour les faire. Et moi, je vous attends devant l'ordinateur. Hop. Alors. Ta-da-da-da-da. Alors.
C'est quoi un triceps? J'en fais pas un. Le triceps, c'est le muscle que tu as à l'arrière du bras. On est mort en mode mamie, j'ai fait 3 séries, 1, 3 et 5. Ben c'est bien, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. Le but, c'est pas forcément de tout faire, le but, c'est de faire, c'est de commencer. C'est d'avoir en tout cas l'intention de vouloir tout faire et de faire ce qu'on est capable de faire. Et de la prochaine fois que tu vas faire ça, ben d'être capable de faire mieux que ce que tu as fait avant. C'est pas le but, c'est pas d'être le meilleur, de faire le maximum de trucs ou de. Le but, c'est de progresser à chaque fois que tu vas faire des. Chaque fois que tu vas en faire. C'est ça l'objectif. C'est par rapport à hier, où je suis, où est-ce que je me situe. Est-ce que tu connais les pulsations max pour ce genre de séance et quel temps de repos? Alors, je t'avoue que je suis pas un ingénieur de l'application et des pulsations cardiaques et des entraînements en VO2 max. Moi, je suis assez bête et méchant quand je m'entraîne. C'est si je veux m'entraîner en mode cardio, ben, faut que je sois capable de faire l'exercice et de ne pas pouvoir parler pendant l'exercice. Là, je sais que je suis à la bonne intensité parce que je vais suer. Et si c'est sur un effort musculaire, par exemple, plus vraiment axé musculation, c'est-à-dire que quand je finis une série, je prends le temps de repos nécessaire pour être capable de pouvoir faire le nombre de répétitions et le nombre de séries qui me reste à faire derrière. Donc si je dois prendre 30 secondes, je prends 30 secondes. Si je dois prendre 2 minutes, je prends 2 minutes. Point. Aussi simple que ça. As-tu un exercice efficace pour faire grossir le brachial? Ouais. Ça va dépendre un petit peu de ta morpho au niveau biceps. Mais grosso modo, t'en as plusieurs. Le curl, le marteau que je t'ai montré est un super exercice pour le brachial et notamment le brachioradial. Et ensuite, tous les exercices de biceps où tu vas avoir en fait le coude en avant du corps, parce que tu vas désengager une partie de la longue portion et de la courte portion, et c'est le brachial qui va devoir faire le travail. Par contre, si tu mets le coude à l'arrière du corps, tu vas étirer la longue portion, et donc tu vas te retrouver avec un engagement du biceps qui est plus fort. C'est pour ça que le curl incliné, c'est un des meilleurs exercices si tu veux avoir des gros biceps. Mais avec grand plaisir, Myriam. Moi, j'ai pas de triceps, j'attrape que les os et la peau. Si t'arrives à tendre ton coude, t'as un triceps. Il est peut-être pas gros, mais t'as un triceps, je te garantis. Merci beaucoup, très pédagogue. J'ai flanché sur le dernier exercice à cause de ma tendinite. Maintenant, douche. Bah, n'y va pas trop fort, surtout sur le dernier exercice qui est hyper, hyper demandeur pour le tendon du triceps. J'ai fait toutes les séries en débutant, mais j'ai une grande marge d'évolution. Et bah, c'est parfait. Si t'as une grosse marge d'évolution, ça veut dire que tu peux que aller de l'avant. C'est bien. Pour les burpees, mes pieds se mettent en canard. C'est pas grave, c'est bien d'avoir les pieds en canard, ça te permet d'avoir une bonne ouverture de hanche et de justement faire un beau squat. Moi, quand je vous fais faire des burpees, je vous fais pas faire des burpees version CrossFit, d'accord? Les burpees version CrossFit, c'est des burpees qui sont là pour faire le maximum de répétitions en peu de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire le maximum de répétitions, c'est faire des belles répétitions et d'avoir un engagement musculaire complet. Donc, autant faire un burpees où on descend vraiment en squat, où on pousse les pieds loin derrière et où on fait, limite si on peut, une belle pompe. Moi, c'est comme ça que je préfère travailler. Après, c'est vrai que s'il y a des challenges ou quoi, comme on voit passer, voilà, il y a un challenge là, par exemple 500 burpees, où bah là, effectivement, de faire des burpees version CrossFit, ça a du sens. Mais sinon, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. En dehors d'un objectif de performance. Si c'est juste un objectif de faire travailler son corps, autant faire des vraies, belles répétitions où on engage vraiment ses muscles. Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de force dans les bras. J'ai voulu faire les derniers, mais il fallait un palan. Ah, ben, en plus, c'est des petits muscles, hein, les muscles des bras. Donc, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de les faire bosser, demain, vous risquez d'avoir des belles courbatures. Exactement, Myriam. Le principal, c'est de l'avoir fait. Merci, Julien. Je me suis mis à la muscu avec un programme d'hypertrophie musculaire. Bon, tu sais, à partir du moment où tu te mets à pousser des poids ou à pousser ton corps, peu importe. Le nombre de répétitions que tu vas faire, tu prendras du muscle parce que tu vas stimuler ton muscle comme tu l'as jamais fait auparavant. Donc, te prends pas trop la tête avec hypertrophie, force, machin, truc. Peu importe ce que tu fais, a priori, tu vas prendre quand même du muscle. À condition d'être régulier. C'est surtout ça qui va conditionner ta prise de muscle. Merci Julien, les épaules me brûlent. Ah, bah c'est bien si les épaules te brûlent. J'espère que les triceps un peu aussi quand même. Tu peux me refaire voir le premier exo en débutant. Oui, alors le premier exo en débutant, donc c'est les burpees. Le burpee débutant, donc c'est, moi j'appelle ça le ver de terre, si tu veux, parce que ça me fait penser au mouvement du ver de terre quand il avance. Donc tu es debout, ok? Alors tu fléchis un petit peu les genoux si tu veux, tu mets les mains au sol, tu vas marcher, tu vois, comme si tu voulais te mettre en position pompe, et tu reviens. Et tu te redresses. Après, si tu veux faire quelque chose de plus intermédiaire, où tu as un petit peu plus d'engagement, on va dire, au niveau musculaire, un petit peu plus de tonicité, tu descends en squat.
pousser les jambes derrière, tu reviens en squat et tu te redresses. Et si tu veux, à la fin, tu peux même ajouter un petit saut. Je vais y arriver, programme hypertrophie musculaire linéaire. Alors tu verras, Guillaume, malheureusement, l'hypertrophie n'est jamais linéaire. Elle est souvent brutale dans les 3, 4, 5, 6 premiers mois de pratique et généralement après ça ralentit. Donc je te souhaite d'avoir une progression linéaire, mais malheureusement, c'est assez compliqué. Moi, je vais aller me coucher. Bah, écoute, bonne nuit Alain, passe une très très bonne nuit. Bon complément pour compenser les blocages dus au VTT. Bah, effectivement, surtout si tu as tendance à être beaucoup sur les bras, quand on est en VTT, l'un des muscles qui travaille le plus, ça va être le triceps, parce que c'est avec lui que tu vas retenir toutes les secousses au niveau VTT. Merci Julien, j'ai pas bien compris pour la position des jambes. Eh bah, écoute, avec grand plaisir. Bien, bah, écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous dis donc à demain soir pour un live, pour un autre live. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais bien voir, je trouverai bien un petit sujet pour vous stimuler un petit peu tous. Donc je vous souhaite en attendant une très 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 bonne soirée. Prenez bien soin de vous, mangez bien, dormez bien, et puis moi je vous dis à demain. Allez, ciao.